Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut, salut, bonsoir Vicky. Pardon, partagez ma vidéo. J'ai le njapa pour vous ce soir. Ok. Bonsoir. Salut! Si vous êtes nouveau sur la page, je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue. Je vous demande de considérer un abonnement, liker mes vidéos et commenter. Voilà, soyez les bienvenus. Si ce que je dis vous plaît, commentez, vous dites bien. Si ça ne vous plaît pas, commentez, vous dites wow, qu'est-ce qu'elle fait comme ça? En tout cas, commentez. Voilà. Donc je vais très bien. Loi Apollinaire qui demande si je vais très bien. Ouais. J'ai un peu à manger de chirac ce soir. La chiracienne. J'ai beaucoup pensé à vous. J'ai parlé avec beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous aussi sont venus me faire des manières. Je ne suis pas votre femme, ok? Il y a même les mecs qui me contactent, elles font les manières. S'il vous plaît. Like. Tu ne peux pas venir à moi, tu dis, oh, je veux que tu me consultes. Tu commandes à me faire les. Tu me parles mal. Ah, toujours parce que je suis petite. Si moi, je ne vous adresse pas comme ça, là, vous allez commencer à. Non, arrêtez, arrêtez. Easy. Voilà. Certains parmi vous avez le cœur noir. Une des noirs cœurs. C'est pour ça que les autres esprits là, donc. Bonsoir, bienvenue, bonsoir. Bonsoir, le roi Mohamed. Bonsoir, bonsoir. Je suis en direct, ok? Je suis en train de faire un direct. Donc, je voudrais, je pense que je dis ça à tout le monde. Si jamais vous écoutez ceci et que vous avez appelé la consultation, relancez-moi avec un message. Écoutez, vos esprits là gardent mes téléphones. Vous ne pouvez même pas me croire. Je suis resté comme ça avant que mon téléphone se gâte et tous mes messages sont dans le téléphone. Et quand vous, certains vous m'écrivez, je dis que c'est qui? La personne m'a dit que tu ne me connais pas, oui, rembourse-moi mon argent. Écoutez, vous-même vous savez, je vous rembourse vos argent. Et si ça ne va pas, je ne lis même pas vos messages. Donc il fallait que je dise d'abord ça au début de ma vidéo. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Waouh, j'enlevais les araignées. Dans les narines de votre fille et sur sa tête. Waouh! Très très deep. Est-ce que vous l'avez au moins vos enfants? Il y a des gens souvent sur ma page qui se croient très fort pour interpréter les rêves plus que moi. Donc si vous êtes là, je vous en prie, dites-lui ce que ça veut dire. Donc bonsoir. Bonsoir les choisis. Je veux. Donc, on a passé la partie où je vous gronde. Bonsoir Fred. Après une épreuve au bureau. Hein. Bonsoir, bonsoir. Bon, je viens pour vous féliciter. Ok? Je voudrais vraiment vous féliciter. Beaucoup d'entre vous, vous m'avez contacté et vous avez fait vos lavages. Beaucoup d'entre vous, vos esprits, votre esprit s'est ouvert. Vous avez compris que vous étiez bête. Maintenant, la sagesse est en train de tomber sur votre tête comme la noix de coco qui tombe. Oui.
Donc je fais la comédie, mais en même temps, je vous enseigne. Parfois, elle vous insulte, parfois, elle vous tape même dans le téléphone. Le serpent, parfois, c'est la grossesse. Parfois, il apporte même la prospérité. Le serpent n'est pas forcément mauvais. Vous, là, comme vous croyez que le serpent. Maintenant, je veux juste ajouter que tout rêve, c'est en fonction du contexte. Tu peux rêver de quelque chose. Tu peux rêver du serpent, te réveiller, tu te sens bien. Tu n'as pas eu peur, tu n'as pas... Ça ne veut pas dire que le serpent était mauvais dans ton rêve. Checker toujours avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Maman, ceux qui sont venus ici me voir physiquement, vous me connaissez, non? Vous me connaissez, non? Il y a les mecs que je gronde même ici. Il vient ici, la gronde. Il dit que ya. En quittant chez elle, t'appelle. La secrétaire lui dit, madame, vous arrivez à tel endroit, faites comme ça. Elle dit, non, quand j'arrive en haut, je t'appelle. Patchouli, est-ce que tu as lavé ton enfant avec l'eau salée? Et là, je dis à la mère, tu arrives en route, si tu m'appelles, je ne décroche pas. Tu fais comment? Tu arrives comment chez moi? Connectez-vous, hein? On n'a pas encore commencé. Les causeries n'ont pas encore commencé. Bienvenue sur la seule chaîne sur Facebook où on vous éveille. Et toi, d'araignée, ce n'est pas bien du tout. Mais ça veut dire qu'il y a sûrement, si c'était moi qui le faisais, ça veut dire qu'il y a sûrement des choses que je dis de faire, que toi, en faisant, ça va justement agir sur elle. Mais si vous, quand vos enfants sont possédés, vous-même, vous avez à y voir. Ok? Elle dit que tu mets ton eau au feu, tu viens qu'on a volé. Ouais, vous avez me fait rire, cela. Pardon, partagez le direct, partagez pour vous connecter. Bon, je vais parler des choses assez importantes. Moi, pour moi, c'est très important ce soir. Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles vous n'accomplissez pas votre mission de vie. Bon, la formation pour découvrir sa mission de vie commence ce soir, effectivement. On a commencé samedi, mais samedi, j'ai donné le devoir d'entrer en matière. Christelle, lui, je t'attends dans ma formation. La formation spirituelle pour les choisir, là, c'est le 10. Voilà. Patchouli Chumba, tu sais quoi? Moi, je ne veux pas parler ici. Ne dis pas que tu nous connais. Ding, ding, ding. Tu as compris? Voilà. Continuons. Le sujet de ce soir, je vais vous montrer ce qui vous bloque. Ok? Je vais vous parler de ce qui vous bloque. Ne soyez pas les gens que vous cherchez seulement les fables. Ne cherchez pas seulement les fables tous les jours. C'est pour ça qu'il commence à interpréter les choses et après il m'arrête. Parce que vous aimez beaucoup les fables. Quand tu accro aux fables, quelqu'un va venir avec une bonne nouvelle. Tu vas dire, ah, mauvaise nouvelle. Oh, bonne nouvelle. Ah, mauvaise nouvelle. Oh, on te lance un mauvais rêve. Mauvais rêve. 6 jours de mauvais rêve, 1 jour de bon rêve. Moi, je vous apprends comment maîtriser avec la parole. Dieu ne vous a pas donné la parole pour rien. Vous comprenez, non? Donc, ça fait que je ne suis pas sûr, c'est incertain là. Je ne fonctionne pas avec l'incertitude. Quand il fait ma chose, ça marche. Parce qu'il sait qui je suis. Je sais qu'il m'envoie. Et quand il m'envoie, je sais que comme il parle là, ça va donner. Avant qu'il n'arrive, quand Jésus a envoyé ses disciples, il est allé dans tel endroit. Vous allez voir un animal qu'on a attaché. Autant là, c'était la limousine. Vous allez voir la Ferrari. Vous arrivez là-bas, vous dites au portier que donne la clé, que le maître va dire que tu donnes la clé. Le portier dit, oh, ok, sorry, prenez la clé, bye, thank you. C'est pour ça que vous doutez trop de vous. Vous doutez trop. Ne fonctionnez pas avec les fables. Écoutez-moi, je vous parle avec les pincettes. Ah, tu sais, moi, je fais ce que tu fais là depuis 53 ans. Moi, je suis un grand voyant. Moi, je suis un grand... Ah, moi, je suis un... Que Dieu m'a parlé de toi, Reine Jocelyne. Il dit, hein? Hein? Il a dit quoi? Hein? Vous connaissez la signification de gospel? Gospel, ça veut dire bonne nouvelle. Faites attention à vos gens qui sont dans les mauvaises nouvelles chaque jour. Oh, je ne vois pas, c'est pas bon. Regarde ton visage. Ah! Ah, ma soeur. Ah! On t'a attaché.
Faites attention. Parfois, quand vous venez en consultation, que tu vois quoi? Quand ils ne vous donnent pas les bonnes nouvelles, vous-même vous venez. Que tu sais, moi j'ai toujours, j'ai été attaqué par mon oncle quand j'avais 5 ans. Oui, j'ai été enfermé, j'ai été emprisonné, on a enterré telle chose chez nous. Ou j'ai fait ceci. Oh, ou. Arrêtez. Patchouli, je ne vais plus te répondre pour l'instant. Tu as compris? Tu as compris? Moi, je lis vos esprits très vite. Bon, continuons. Tu as un pas dehors pour ma page. Moi, je vous dis moi que la page, ça, c'est comme ma chambre. Ça ne va pas être chassement. Je ne suis pas obligée d'interpréter le rêve que tu m'as dit par rapport à ta fille. Je me mets volontairement sur la page ici. Je parle volontairement. Vous me comprenez, non? Et ça fait bon cœur que je le fais. Donc, quand ils ne me disent rien, je ne dis rien. Quand ils me disent, je dis. Bonjour. Hein? Voilà. Bonsoir à tout le monde. On va commencer. On a déjà un bon effectif. Bon, ce soir, je vais partager avec vous quelques petites situations qui bloquent les choisis. Donc, pour commencer mon exposé, je vais vous dire d'abord, c'est quoi un choisi? C'est quoi une choisie? Donc, si vous venez d'arriver, vous êtes nouveau, abonnez-vous. Likez la page. Vous avez compris, non? Likez ma page, abonnez-vous. Allez sur YouTube, vous vous abonnez aussi. Il y a les vidéos que je ne mets que sur YouTube. Ce matin, j'ai fait une vidéo où je vous ai montré comment bénir votre business quand vous arrivez le matin. Ok? Comment bénir mon business quand j'arrive au boulot le matin? Supposons j'ai un spa, j'ai un endroit où je vends la marchandise, les chaussures, les habits, je vends l'aluminium. Quand je viens le matin, là, je dois faire quoi pour que mon business là marche? Cette vidéo est sur YouTube. Partez là-bas chercher. Abonnez-moi, vous allez me donner des vues sur YouTube. Voilà. C'est l'obligation. Et il y aura les soirs où je vais faire les directs que sur YouTube. Celui qui n'est pas là-bas, il rate. On est clair, non? Le volume est bon, non? Voilà. Cette vidéo m'a été inspirée par une choisie qui est venue ici hier. La femme, si. Elle vient d'abord parce qu'elle me dit, wow. Je me suis d'abord mariée. Je vais vous dire qui est ce que c'est qu'un choisi. Je me suis mariée, après mon gars est parti. Maintenant, je veux me remarier. J'ai mon nouveau gars qui arrive de bientôt dans quelques semaines là. Après, les esprits me disent que Dieu l'a fait la queue. Là où elle est là, ce n'est même pas l'homme qu'elle doit poursuivre. Je lui dis, mamie, tu as appelé à faire ce que je fais. Tu te dis pourquoi? Elle dit, non, je sais, tu n'es pas la première personne qui me dit ça. Moi, je ne connais pas comment faire. Je ne connais pas. Là, hier, les instructions que j'ai reçues pour elle. Instruction sur instruction. Je lui donne les choses qu'elle va rentrer avec. Je lui dis que je vais vous expliquer c'est quoi un choisi. Quand vous venez ici, là, c'est moi qui dirige. Je dis que je fais ce que je fais ce que j'ai dit et je dis ce que je fais. Mais c'est moi qui dirige. Vous avez compris. J'arrive là, je vous ai dit que je vais dire c'est quoi un choisi. Je vais expliquer. Attendez seulement. Ceux qui n'aiment pas trop les bavardages, ma chaîne ne va pas vous plaire parce qu'il bavarde beaucoup. Voilà. Elle qui tombe d'ici avec toutes ces choses, elle a fait des achats presque de 100, presque 150 000. Elle me dit, elle a resté à la salle d'attente pendant 2h30. Elle a attendu. J'ai fini de voir tout là qu'elle avait fait. J'ai fini en ligne tout ça là. Après elle entre. Quand elle entre, tout le monde est parti. C'est là que je comprends pourquoi les époux m'ont fait partie tout le monde. On a parlé. En partant d'ici là, elle était apaisée. Elle entre chez eux. Son grand-père au village, elle appelle. Voilà, papa, j'ai trouvé ma voie déjà. Elle n'a pas dit qu'elle choisit, bien sûr, parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une choisie. Je vais vous dire bientôt ce que c'est qu'une choisie. Voilà, grand-père, son grand-père est quitté du village. Aujourd'hui, elle a trouvé la maison. Ses soeurs, ses oncles, tout le monde de la famille. On la trouve à la maison, on dit que jamais. Que ton affaire de choisir, que tu dis que tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Là, voilà qui arrive aujourd'hui en urgence, catastrophe. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le direct tard. Elle me dit,
Ils l'ont accompagné, ils l'ont déposé en bas de l'immeuble. Que tu l'as arrêté de travailler avec la femme là. Je la regarde, je ris. Je lui dis que tu sais, quand elle te parlait hier, toi-même là, ton esprit résonnait, non? Elle me dit oui. Quand elle te parlait, ce qu'elle te dit, c'est ce qu'il t'avait dit, non? Elle dit oui. Je la regarde. Le chemin des choisis est très solitaire. Quand vous dites que je vais accomplir ma mission de vie, je veux. C'est très solitaire. Pour me voir ici, là, on s'avoue qu'on savait le prix que je paye. Et le prix n'est pas seulement financier. Tu dois développer une discipline. Parfois, ils vous donnent les selles, que là, vous avez le sel. Tu dis, je me lave avec ça combien de fois par an? Il dit 365 jours. 800 quelque chose, 700 combien de fois par an? Tu vas te laver deux fois par jour. Hé, Marie, mais tu crois que tu lave-toi. Vous êtes paresseux. Vous me comprenez? Je vous regarde et vous dis, oh, vous êtes paresseux. Tu peux aller te discipliner pour travailler pour quelqu'un parce que la personne va te donner 50 000 francs au mois. Quand on te parle de quelque chose qui va te faire et tu vas t'aider toi-même, lave-toi avec le sel. J'ai oublié, j'étais fatiguée aujourd'hui. Hé, maman, moi j'étais fatiguée. Ah, moi je veux dormir un peu. C'est vous-même qui cherchez vos problèmes. Il y en a, vous m'écoutez depuis 2 semaines. Vous n'avez jamais pris le sel pour mettre dans l'eau pour vous laver. Et vous êtes encore là aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas ce que vous poursuivez derrière moi. On te dit, prends le sel, mets dans l'eau, parle sur l'eau, lave-toi, dors. Tu n'as pas encore fait. Merci la reine arménienne. Un choisi, c'est quelqu'un qui a été appelé et qui a décidé de répondre à l'appel. J'ai ajouté, parce que c'est la dernière fois, vous dire, oh, j'ai ajouté. Un choisi, c'est quelqu'un qui est appelé et qui a décidé de répondre. Parce que vous savez que quand le téléphone sonne, je peux décider de ne pas décrocher mon téléphone. Ça peut sonner, je ne décroche pas. Un choisi est appelé d'abord, donc ça sonne, tu vois. Dieu te dit, tu es censé faire ceci ou ça. 3 jours de bain et les hommes derrière toi comme les abeilles, Lusa. Si tu utilises alors Onalia. En passant, Onalia sera disponible à Paris vendredi. Premier venu, premier servi. Je ne veux rien savoir. Dès que ça arrive là, premier venu, premier servi. Donc ceux qui sont à partir là, vous repartez là-bas seulement ajouter Onalia. Vous m'en donnerez des nouvelles. Bonsoir la reine Tietje. Donc un choisi, c'est quelqu'un qui a été appelé. Parfois vous restez, vous sentez que, comme cette femme qui est venue, elle veut se marier, son désir c'est de se marier. Ok, Rimena, pas de souci. Donc il y en a parmi vous. Voilà, tout à part c'est ça en fait. Je veux me marier. Je veux me marier. Bon, je vais vous montrer les animaux qu'il y a. Il y a les animaux aussi en ébène. J'ai parlé avec un roi ce matin. Ces animaux, c'était des gros animaux comme ça. Donc l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame. Donc, j'ai aussi une vierge Marie en ébène là que j'ai ramenée hier. Mais c'est déjà pris. Par contre, vous pouvez, je crois que je vais aller chercher pour vous montrer. Attendez un peu, ok? Je vais vous montrer les produits qu'il y a. Thank you.
Oh my God. C'est quelques-uns des articles. Voilà. Bonsoir. Vous voyez ça? Ça, c'est au moins 1,5 kg. C'est tellement lourd. Donc, oh my God. Like, I love this. Déjà, l'ébène, c'est bien. Maintenant, l'ébène en Vierge Marie. Alléluia. Donc, ça, c'est décorer vos maisons avec de l'ébène, s'il vous plaît. OK? L'ébène, ça canalise les mauvaises énergies, là. Ça tire ça. OK? Bon, pour avoir les produits sur Paris, il faut que je cherche dans mon téléphone. Attendez. L'ébène, ayez l'ébène en tableau, ayez l'ébène en petits, les petits animaux là. Il y a des lions, il y a des panthères, tous ces petits soucis. Bon, j'ai son numéro, je vous donne. 07 50 02 75 90. Donc voilà le numéro de Paris. Vous allez me faire écrire beaucoup ici là. 07. Prenez le quoi noter, non? 07 50 02 75 90. Douala, c'est 680 71 07 01. Bon, cette Vierge Marie, si vous venez chercher vous-même à Douala, si on vous poste ça en Europe, ce sera encore un peu plus cher. OK? C'est-à-dire que vous allez payer juste l'envoi. Ça, c'est au moins 2 kilos. Donc, l'envoi de ce truc, ça va faire peut-être 20 000 francs. Bon, pour la Turquie, je ne sais pas. Il y a des gens qui montent en Turquie tout le temps. Ah, c'est très lourd. Donc, on va dire, pour 50 000 francs, on vous livre ça à Paris. En comptant qu'il y a 20 000 d'envoi. OK. Ayez toujours Vierge Marie dans la vidéo que j'ai mise sur YouTube. Et c'est que les gens qui arrivent, ils voient mon crucifix, ils m'insultent. Ils disent que tu parles des ancêtres et tu as le crucifix. Gna, 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 gna. Donc, ayez des Vierges Marie chez vous, s'il vous plaît. Vous pouvez les mettre parfois si vous avez les corridors dans la maison. OK? Peut-être qu'on entre chez vous. Le hublot, avant qu'on entre dans la maison même, vous mettez ça. Donc, c'est couvert, il ne peut pas pleuvoir dessus. Non, n'appelez pas, elle ne va pas décrocher. Avant-hier matin, tu as rêvé que tu passais près d'un centre commercial. Tu portais des sacs lourds. J'ai épinglé le numéro de Paris. Oui, écrivez-lui seulement sur WhatsApp. Écrivez, elle ne décroche pas les appels. Bon, il y a ça. Non, franchement, elle a au moins 30 cm de grandeur. Elle est très grande. Bon, il y a cette Vierge Marie. Donc, on peut vous commander ça aussi. Bon, il y a les chapeaux que vous pourrez commander. Il y a les chapeaux. Il y a plusieurs couleurs. Donc, il y a les chapeaux en dope. Il y en a plein. Et puis, il y a la crème de la crème. Onalia. Onalia a tellement de succès. Donc, first come, first serve. Premier venu, premier servi à Paris. Ce sera ça. Et bien sûr, il y a aussi les écharpes tellement chargées que vous aurez sur Paris. Il y a un Ondop qui est disponible à Paris actuellement. Vous connaissez les Ondop, non? Voilà. Bon, j'avais pas prévu de montrer les articles, mais bon. Voilà les trucs, il y a ça. Bon, et puis il y a les couleurs noires, il y a tout ça.
Ok, maintenant que c'est fait, on peut passer à ce qui est important. Bon, beaucoup plus important. J'allais parler, j'allais vous, je vous ai déjà commencé à vous dire que c'est quoi un choisi. J'ai dit, un choisi, c'est quelqu'un qui est appelé. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. C'est quelqu'un qui est appelé et qui a répondu. Jésus a dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Many are chosen, but few are quoi? Many are called, but few are chosen. Plusieurs sont appelés, mais peu sont choisis. Voilà. Répondre à l'appel, ça demande de l'attention. Ça veut dire qu'il faut que moi, je me tourne volontairement. Tu as eu peur. Vous aimez la peur jusqu'à... Guylaine, vous aimez la peur. Quelqu'un t'a dit tu as eu peur. Vous savez l'appel que vous avez, mais vous l'ignorez. Parce que, ouais, je veux d'abord me marier. Ouais, je veux d'abord avoir les papiers. Ça fait 10 ans que tu cherches les papiers. Écoutez-moi bien. Ça, c'est un message pour quelqu'un qui est en France. Tu es en France. Tu attends les papiers depuis. On t'est à l'aube fatigué. Tu dois répondre à ton appel. Tu me comprends? Ce que tu cherches derrière les papiers là, c'est quand tu vas leur obéir que tu vas voir. Beaucoup de personnes là vous ramènent. Je cherche l'enfant. Je cherche ceci. Pourquoi? Parce que on t'a parlé, tu n'as pas écouté. Donc j'ai bien dit, tout le monde est appelé, ou beaucoup sont appelés, mais très peu répondent. Et arrêtez avec votre truc, je ne comprends pas de quoi il s'agit, je ne sais pas, ça consiste à quoi, je ne sais pas. Arrêtez. Arrêtez. Les ancêtres vont vous enseigner. Ils vont pousser les filles comme moi. On va venir faire des vidéos comme ça. On va parler, ça va vous enseigner. Dans la nuit, ils vont vous parler. Dans la journée, quelqu'un va t'interpeller en route, il va encore te parler. Et aussi, beaucoup de femmes, vous avez enroulé votre boss. Vous avez fait beaucoup de mauvaises choses et vous le savez. Vous avez fait beaucoup de choses mauvaises. Game Stella là-haut. Tu m'as écrit et t'es jamais répondu, mamie. Bon, si tu t'es fatigué, il n'y a pas de souci. Hein. Si quelqu'un m'écrit, je ne réponds pas, il se fatigue. Papa, tu veux quoi? Par contre, il y a des gens qui. C'est quand ils parlent au téléphone que vous appelez. Jusqu'à dès que des coachs, la personne dit que waouh, ça c'est mon jour de chance. Il dit oui, oui, effectivement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'entre vous avaient les mauvais cœurs là. Le noir cœur vis-à-vis de moi. On n'arrive pas à avoir de consultation. Parce que ce que je force, même jusqu'à ici, on essaie de parler là. Ouh! Dès que tu arrives, tu as trois rendez-vous, tu n'arrives pas à me parler, tu commences à m'insulter. Tu vas dire que ton cœur était noir. Ton cœur était noir. Non, vous n'êtes pas encore fatigué des problèmes. Tu dis que tu es fatigué des problèmes. Tu n'as pas encore vu les problèmes. Monsieur Pat, bonsoir. Tu n'as pas encore vu les problèmes. On ne contrôle pas les ancêtres. Je parle à une dame là. Par rapport à la, je dis que tu dois faire la formation pour la mission de vie. Elle fait comme dit, ouais, qu'en est-il de l'homme si? Il est déjà marié. Oui, il a une femme au Cameroun, il a une femme ici en France. Je fais comment? Est-ce que c'est mon homme? Il dit, ma chérie, tu dois découvrir ta mission de vie. Non, mais l'homme là alors, ouais, dis-moi non. Ma chérie, si tu découvres ta mission de vie, hein, ça veut dire que tu peux accomplir ta mission. Quand tu commences à accomplir ta mission de vie, oui, Daniela, tu as appelé, j'ai répondu directement. Il y a des gens qui croient que j'ai fait des faits. Papa, mon téléphone à la secrétaire. Elle prend le téléphone, elle regarde les messages et franchement, hein, avoir chaque. Tu prends le téléphone 5 minutes avec, tu as au moins deux nouveaux messages tous les 5 minutes. C'est pas évident. Donc, vous recevez l'appel, vous cherchez votre propre désir.
Ah bon, venez que, oui, les ancêtres, donnez-moi la chance. Dès qu'on te donne, pif, tu pars avec. Donnez-moi encore, je veux l'enfant. Pif, tu pars avec. Je veux maintenant le fiancé. Ouais, tu vous manipulez qui? Donc, un choisi, c'est quelqu'un qui a appelé et qui a répondu. Un choisi connaît beaucoup d'adversité dans sa famille. Beaucoup. Ta famille va te voir galérer, ils ne vont jamais chercher ta solution. Tu sors maintenant, tu vas chercher ta solution. On commence à t'insulter. Tu pars maintenant chez les marabouts pour faire quoi? Hein? Tu peux montrer maintenant que tu es qui dans la famille ici? Hein? Oh, tu. Ah ah. Ah ah. Parfois, c'est ta propre mère. Et moi, je vais vous donner un test pour vos mères. Voilà le test qui ne rate pas. Lydie, si vous m'écoutez, moi quand je parle là, je sens l'énergie en moi, je sens l'énergie. Pour tester vos mères, première chose d'abord pour voir si ta mère est active ou pas. Où en est ta vie? Est-ce que tu t'es marié, le gars fuit? Voilà les signes qui montrent que ta mère ne fait rien. Que ta mère est inactive. Tu as déposé des demandes d'emploi depuis 5 ans, on t'a jamais pris. Tu sors avec les hommes, tu es belle. Ils sont beaux, ils sont riches, ils ne te donnent pas l'argent. Tu as 5 business pour pouvoir joindre les deux bouts. Les gens te font croire que tu as l'argent jusqu'à... Alors que tu souffres. Tu souffres. Voilà les signes qui montrent que votre mère dort. Parfois, on t'insulte dans la famille comme ça, là. Tous tes frères t'insultent et ta mère ne dit rien. C'est comme ça que tu vas d'abord tester ta mère. Est-ce que la mère, là, check ta vie. Maintenant, quand toi-même, tu dis que, ok, je sors, je vais chercher ma solution. Toutes les fois que tu es venu avec une solution pour mon chat, jusqu'à ta mère l'a vu. Est-ce que tu as découragé? Tu vois, c'est le genre, je sors, je passe chez ma solution. Dès qu'elle revient, elle dit que, grand, voilà, maman, il m'a donné ça, dès qu'il me voit avec ça, je bois ça. Ah, laisse ça, ah. La mère, elle ne veut pas ton bien. Elle ne veut pas ton bien. Il te dit, moi, clair. C'est pas parce qu'elle t'a amené en France qu'elle veut forcément ton bien. C'est pas parce qu'elle a fait tes papiers, tu es arrivé là où tu es. Arrêtez de dire, wow, comme c'est ma mère, wow, elle a tout fait pour moi. Wow, je lui dois beaucoup. Wow. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, ces familles-là sont assises sur vous. Tu es chez ta mère, tu as 35 ans. Tu as 43 ans. Tu ne planifies même pas sortir de là. Mon mariage a échoué, non. Ma mère m'a dit de venir à la maison rester. Ta mère ne t'aime pas. Il te dit, moi. Et c'est comme si on t'avait envoûté avec la famille là. Tu sais que là où tu es là, ta mère, ce n'est pas bien. Tu es tout là. Tu es toujours là. Parfois, vous avez les mères qui sont tellement aigries. Tu vois, j'ai le mec qui a roulé sa bosse. Elle n'a pas réussi là. Elle est aigrie. Tu viens avec un petit projet. Tu lui envoies même ma vidéo. Ah, la petite fille là, elle croit qu'elle connaît même quoi. Elle croit qu'elle connaît même quoi. Moi, elle connaît tout ce qu'elle dit là. Maman, pourquoi tu ne m'as pas montré? Écoutez, posez des questions à vos mères. Arrêtez de faire les gnie gnie gnie. Posez les questions. Bonsoir, Daniel. Demandez à vos mères. Ok, maman, tu connaissais qu'on va aller au village verser ceci. Tu connaissais qu'on va verser le vin rouge, on parle aux ancêtres. Pourquoi tu ne m'as jamais dit, maman? Pourquoi tu ne m'as jamais montré?
Ah, on fait ça au village, non? On fait ça au village, non? Hein? Tu ne peux pas rester, rien ne va dans ta vie. Ta mère est à côté de toi chaque jour. Elle te nourrit. Elle te donne le couscous. Elle te nourrit. Elle nourrit tes enfants. Ta mère doit te... Ouais. Quand tu vois un enfant souffre, sa mère a dormi ou sa mère est morte. Sa mère a dormi ou sa mère est morte. Et si votre mère est morte, levez-vous. Même si ta mère, elle est vivante, elle dort. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes connecté sur mon direct. Soyez plus bête, s'il vous plaît. Tu commences un petit truc comme ça. Tu parles à un gars seulement 2 jours, on s'est dit que oh, je t'aime. Tu peux dire à ta mère. Peut-être ta mère peut parler à sa soeur ne veut pas que tu avances. Certaines de vos mères sont contrôlées par leur soeur et frère. Ta mère ne jure que par son grand frère. Oh, ah, oh, je ne parle pas, je parle pas, quand est-ce des parents témoins de Jéhovah. Il a fait beaucoup pour moi. Moi, c'est mon frère. Il a fait beaucoup pour moi. Maman, tu ne vois pas que ton frère te manipule? Maman, ouvre les yeux. Tu ne trouves pas qu'il te manipule, maman? Soyez intelligent. Donc votre premier blocage, c'est votre famille. Les gens les plus proches de vous. Écoutez votre intuition. Arrêtez de vous voiler les yeux. Parfois tu ressens ta mère te fait un truc comme ça te fait mal. Merde. Tu sens que ça c'est une flèche de l'ennemi. Ça ce n'est pas normal. Tu essaies de te convaincre que non, c'est ta mère. Elle t'aime comme elle aime tes frères. Ça ne passe pas. Bah, certains de vos mères sont manipulées. Certains ne veulent pas votre bien. Je vous dis, je vais ouvrir vos yeux pour que vos prochaines bénédictions, hein, vous ne courez pas seulement coucou, tu vas dire à ta mère. C'est pas ta mère ne doit pas savoir tout ce qui se passe dans ta vie. Il y a une mère m'avait appelé une fois, elle vivait au Luxembourg. Elle me dit que sa mère la déteste tellement que depuis son enfant a 5 mois, sa mère vit dans la même ville qu'elle. Sa mère n'est pas encore passée voir l'enfant depuis 6 mois. Un jour, sa mère m'est arrivée, elle est restée en bas dans la voiture. Elle dit, mais monte non. Monte non. Elle n'est pas montée. Certains de vos mères, frères et soeurs, alors, hein, wow. Wow! Il y a une là. Et quand vous êtes tellement sage, je ne vais pas dire bête. Dès que vous me découvrez comme ça, vous voulez envoyer à toute votre famille. Ils vont vous décourager comme ça, là. Vous allez lire leur. Hey, ma reine, je vais t'envoyer ma femme, ma soeur. Hey, je vais t'envoyer mon frère. Hey, oh. Vous êtes comment? Qu'est-ce qui se passe sur vous? Il y a un âge là que dès que vous dépassez l'âge là, tu ne peux pas mettre ta main au feu pour ton frère ou ta soeur. Un gars qui couche avec une autre femme de haut. Toi, sa soeur, tu vas venir dire quoi? Il a son foyer, il est marié. Toi, tu veux dire que tu vas. Mamie, pardon, ne mets pas ta main au feu pour lui. Une là.
Elle m'a envoyé toutes ses soeurs. Ses soeurs sont venues seulement pour voir qu'elle disait même que quoi là-bas. Qu'est-ce qui se passe dans la maison là? Elles sont parties l'insulter avec. Persécution. L'insulter copieusement. Alors qu'elle pensait qu'elle a trouvé quelque chose qui est bien, elle a dit qu'il faut que j'amène aussi avec ma famille. Que vraiment, depuis que je te suis, depuis septembre, je paye ma dîme, je vois comment mes choses ont avancé. Je vois comment ma vie a avancé. Mes business sont en train de prospérer. Et vous savez que les gens de votre famille ne veulent pas que vous prospérez. Il y a certains de vos frères que quand ils apprennent que vous allez bien, que ton business a prospéré là, tu sens, tu entends qu'il a eu l'arrêt cardiaque la nuit. On l'a seulement réanimé. Donc, il a acheté aussi la voiture. Parce que la soeur là voulait que tout le temps, c'est toi qui viens demander la voiture pour conduire. Écoutez, il y a les signes qui ne trompent pas. Il y a les signes que vous allez commencer à voir chez tout le monde. Il y en a même que vos parents sont très vieux. Peut-être votre parent 75, 79. Vos frères se liguent ensemble pour prendre certains biens de la mère. Que signe pour nous, signe, donne-nous ceci. Toi, tu te rends compte, tu dis arrêtez, arrêtez. C'est maintenant, toi, on tombe sur toi. Il faut qu'elle vise son compte pension, là, elle nous donne. On commence à te détester. Soyez sage, oh. Papa, te lève parmi les petits-fils. Hein. Tu veux construire la maison, tu veux arranger la maison de la grand-mère. Hey! N'est-ce pas? On a changé tes couches ici, là. Comme tu es arrivé en Europe depuis 6 mois, là, tu veux construire la maison de la grand-mère. N'est pas que tu es arrivé. Je te donne maximum 5 mois pour que tes choses ne commencent plus à marcher. N'est pas que tu es l'enfant de notre dernière petite soeur. Maintenant, tu veux construire la maison de la grand-mère. Tes problèmes, tout commence à tomber. On te chasse au boulot. Ton fiancé fuit. Telle chose se passe. Tu es aussi seulement là comme ça, élan, élan. Ah, c'est ma famille, non? C'est ma famille, non? C'est ma. Ne conjuguez plus le verbe simple. Je simplons, tu simplons, ils simplons, nous simplerons. Wow, arrêtez. Arrêtez. Pour voir le fond, ma mère voulait que j'enjoie l'argent de mes frères. Je croyais qu'elle existait pourtant. Mais voilà, elle connaissait. Si moi, Jeanne, pardon, écrivez-moi encore. Si vous m'avez écrit une fois, vous dites que c'est assez, vous avez menti. J'ai un de mes téléphones qui a craché. On me dit que crash là, c'était arrêté. Ça là, on me l'a donné, on a réparé, ça c'est arrivé, ça fait peut-être 2 heures de temps. Donc, tous mes WhatsApp de début de combien de mois c'est ici? Donc si vous avez écrit, vous allez vous fatiguer, pas écrivez-moi encore. Imaginez si vous étiez intelligent depuis l'âge de 20 ans. Parce que quand ta mère est bête ou ta mère meurt, tu souffres beaucoup. Parce que les petits trucs qu'ils vous disent, c'est là, tu ne connais pas. Tu es seulement ouvert avec tout le monde. Tu as souvent une tata là qui t'appelle souvent que si tu rencontres un homme, il faut me dire. Hein. Si tu veux faire un nouveau truc, il faut me dire. Hein. Je peux te donner les conseils. Toutes les fois que tu l'appelles pour lui dire, ça ne marche plus.
ça ne marche plus. Et toi aussi, aussi vive, naïve que tu as tes 22 ans, 23 ans. Ah, c'est ma tata, non? Eh non. Eh non. Eh non. Oh, Seigneur. C'est pas tous les messages que j'ai beau, oh, pardon. Donc, si quelqu'un croit que j'ignore son message. C'est pour ça que généralement, c'est les 40 ans comme ça que les femmes deviennent. Le sens commence à entrer dans ton corps. Le sens, comment tu commences à devenir intelligent. Tu ne fais plus confiance à n'importe qui. Ton mariage qu'on avait gâté après 2 mois de mariage là, tu ne fais plus l'erreur. Tu te maries comme ça là, même pour voir ton mari, on ne le voit pas. On est parti signer la mairie. Oui, on voulait faire un petit mariage, comme les blancs. Bonsoir la reine Mondjo, bienvenue. On voulait juste faire un truc à l'amical, vous savez, on voulait pas trop de personnes. Et... ouais, ça fait combien de mois que vous êtes mariés? Ouais, ça fait seulement 2 ans qu'on s'est mariés. Tu es enceinte du deuxième enfant, tu m'as pas dit. Moi, ta tante chérie. Tu sais, quand tu t'es mariée en 2014, là, tu m'as dit non. Pourquoi tu m'as plus dit le tout si? Tante chérie. C'est bien ça, Léonis, deviens sage. Tu ne veux pas ça, tu vas conjuguer le verbe simplement. Tu vas pleurer. Ce qu'on a touché, la fait, mettez-moi le cœur, pardon. Dites seulement qu'on m'a touché, ne dites pas ce qu'on vous a fait. Dites seulement qu'on m'a touché. Et quand on m'a touché. On m'a touché. Bonsoir la reine Nicole. Tu as reçu ton paquet. Voilà, Léna, on t'a touché, c'est tout. Alvin. Voilà, Simon, voilà. Dis-moi, on m'a touché, c'est tout. Certains de ces sceptiques, on la sont dans mon direct souvent. Hein. Ils sont là, ils te guettent. Que ma nièce fait quoi ici? Elle va devenir sage. Elle va devenir sage. Quand elle veut l'appeler encore, elle veut lui demander où son fiancé est là. Vous allez faire les mariages en cachette. On vous trouve à la mairie, vous serez habillé en bleu. L'habit de ton mariage sera le bleu. Donc on ne peut même pas se douter que tu viens te marier. Ah, laissez. Laissez. Deviens sage, tu comprends le sens? Quand on regarde tes statues, on voit seulement les produits, les babouches. Tu tombes même enceinte, on ne connaît pas. Tu cherches 2 témoins, tu les payes. C'est-à-dire que tu ne les connais même pas. Tu ne les connais pas. Et je suis votre libératrice. Comme l'on a dit qu'elle veut mourir, moi, elle ne veut pas mourir pour vous. Jésus est à mort. Donc, je ne mourrai pas pour vous. Si quelqu'un m'a écrit sur WhatsApp, que la personne ne m'écrive encore. On tente. Voilà. On m'a touché 100 fois. Donc, je dis qu'il y a la famille. Il y a souvent, il y a la mère. Il y a les frères et sœurs. Je vais maintenant aller sur la belle famille. Généralement, c'est les femmes qui subissent ça. Pour l'autre, c'est à l'OE. À pas. J'ai une formation dans 15 minutes. Le direct, c'est tellement sucré que... La belle famille. Tu te maries. Ils viennent au village de chez vous te doter.
Wonderful. Il monte les collines de quoi? Où de cela? Hein? Pour les colis, pardon. Écrivez-moi. Je vois vos messages sont en train d'arriver. Je vais regarder. Si quelqu'un attendait son colis, relancez-moi, je vous en prie. Le numéro de Paris est épinglé là-bas. Faites la capture d'écran. Après, vous allez contacter la personne. Les trucs qu'on allait avoir arrivé à Paris vendredi, vous pourrez aller chercher. Donc, tu vois le père de ton gars là. J'ai ma fille. Ma fille. Yeah. Tu sais, je n'ai que des garçons. J'ai toujours voulu avoir une belle fille comme toi. Je dis, ouais, le père, mon père est mort depuis longtemps. Oh, j'ai toujours voulu avoir un père comme toi. Tu ouvres tout. Tu ouvres tout comme ça là. Écoutez, je vais vous décortiquer les choses aujourd'hui. Vous allez devenir sage. Vous allez devenir sage. Je veux qu'une jeune fille de 20 ans soit sage. Tu la vois, on s'est dit qu'elle n'a pas fait mes lavages. Je n'ai pas acheté ma gamme Onalia. Il y a un Joe là comme ça, là, on est en train de causer, il dit qu'il vient au pays dans quelques temps là. Je ne dis à personne, je parle à l'aéroport seul. La pigole a dit qu'elle voyageait. Tu restes comme ça. Hé, hey, ma mère. Tu sais, ma, je te prends vraiment comme ma mère. Je te prends comme ma mère, tu sais. Vraiment. Tu sais, comme tu es la mère de mon gars. Hé! Hé, ouais, oh. Je n'ai pas dit de manière de. Ne venez pas commenter dans le direct. Envoyez-moi le message en inbox si je devais envoyer votre colis, non. Ouais. Il y a des colis que quand DHL prend, ils font deux jours avant de vous envoyer le bordereau, le tout, la référence par message. Ouais. Na wetina. Dites-moi seulement, je n'ai pas reçu mon colis ou bien je dois faire mon. Je dois faire ma consultation. Ok? Ta belle-mère t'accueille. Premier jour que tu arrives, elle fait le couscous cuit avec le légume. Elle te fait le sangha. Tu dis non, j'ai trouvé la mère. J'ai trouvé ma. Tu seras ma confidente. Écoutez. Écoutez. Ouais, Seigneur. Oh. Non, si on vous a touché, dites qu'on m'a touché. Vous mettez x2 à côté. Mettez x2. On va mettre les organes sur ça. On va mettre le cœur. Après, elle commence à dire que ils se sont perdus en venant. Hein? Ouais, Seigneur. Après, bonsoir à ceux qui me regardent à partir du bas là. Vous êtes en train de boire votre bière. Vous êtes en train de jonger votre petit bière là. Vous me regardez. Bonsoir. Eh? Après, la mère commence à dire que avant, mon fils m'envoyait une paire de chaussures. Non, il m'envoyait 4 paires de chaussures. Maintenant, quand il envoie le sac de 5 paires, il me dit de prendre 2 paires et je donne 3 paires à sa femme. Mm-mm. Quelque chose. Quelque chose. Elle commence à faire des. Pourquoi tu envoies seulement chez elle? Voilà l'autre. Il envoie le paquet chez toi, la femme. Et il te demande de donner une partie à la mère. Hey! Maman. Voilà le Terminator. Elle va dire. Ah. Tu as lavé les mamitos chez la mère. Tu as ciré le derrière des mamites. Tu quittes d'un bain avec tes ongles manicurés là. Tu viens chez elle, tu trempes dans l'huile rouge parce que tu veux lui faire le sangha. Tu piles les noix. Achou, 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 achou. Ah, les filles, vous savez quoi? Moi, je ne me casse plus. Je ne me casse plus. Je ne sais pas pourquoi c'est sucré. Ça a le goût, le direct, ça a le goût jusqu'à. Mais le goût de chat.
Ce n'est pas la multitude des choses que tu vas faire qui vont faire qu'on va t'aimer. Vous comprenez? Parfois, tu regardes même le genre de fille qui ne lavait jamais les assiettes, qui faisait rien pour la belle-mère. Tu dis, j'aurais même dû faire comme ça. Hein. J'aurais même dû faire comme ça. Et après, quand il y a les problèmes, tu l'appelles, tu dis, maman, parle à ton fils. Maman, regarde comment tu me fais souffrir. Si j'étais ta fille, maman, je suis ta fille. Non, tu n'es pas sa fille, ma chérie. Écoute, ma chérie, tu n'es pas sa fille. Tu es un objet qu'on utilise. Tu m'as compris? Tu es un objet qu'on utilise pour avoir les petits-enfants, pour s'assurer que son fils mange bien, qu'on a repassé ses habits. La reine Nicole, vraiment, si vous voulez m'appeler, appelez-moi le matin. Le matin, entre 6h45 et 7h30. Le soir, là, c'est fini, impossible. Et tu fais, tu pleures. Mais la mère, je croyais que tu étais ma mère, non, pas là ton fils. Oh, 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 get a grip. En anglais, on dit get a grip. Get a grip of yourself, girl. Open your eyes. They're using you. I'm telling you. I'm telling you. Il faut même pas cacher ton jeu au départ parce qu'ils cachent pour eux souvent. Tu dis toi oh au départ, pardon. I don't cook, I don't clean. Comme Kadibi a chanté là. I don't cook, I don't clean. Donc ne m'attendez pas, je commande la nourriture pour aller vous donner. J'arrive à s'emballer dans les bâtiments, tout là du traiteur là. Emballer, emballer. Ça vous énerve. Je vais aussi te voir. Et il y a des belles mères qui sont jalouses. Tu vois, genre de belles mères que. Elle a accouché quand elle avait peut-être 17 ans. Et tu rencontres... Oh, la reine Tchara, bonsoir, bienvenue. Tu rencontres son fils à le même âge. Donc, entre toi et la mère, il y a peut-être 15 ans d'écart ou bien 20 ans maximum. Et c'est maintenant que la belle-mère, là, c'est maintenant qu'elle a sa puberté. Tu mets tes chaussures, elle fait la même chaussure. Mais la mère, ton fils travaille. Il me donne un peu. Moi aussi, je travaille, je m'habille avec mon argent. Ça devient la concurrence avec la belle-mère. Je veux la brésilienne. Et voilà un grand signe. Quand elle te rencontre, elle veut tout ce que tu as sur toi. Que na witi. Hop. Oh. Je veux ta brésilienne. Je veux ta chaussure. Je veux le brésilien. Catherine Laure, envoie-moi un message, s'il te plaît. Elle check tes statuts tout le temps. Tu fais une nouvelle coiffure, elle check, elle regarde. Elle ne dit jamais c'est bien. Elle ne dit jamais. Après, tu te rends compte que quand elle appelle à la maison, elle passe seulement avec son fils, elle raccroche. Les belles mères, mon frère. Oh, Seigneur. Seigneur. Vous ne saviez pas avant. Vous avez fait qu'on dit qu'on pas charmer vos maris des vidéos là. C'est fini. Parce que si vous regardez bien les ancêtres, vous préviennent, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Parfois tu dors, tu rêves, tu vois. Tu te réveilles, tu dis, ah, je maîtrise. Les ancêtres sont en train de parler. Ma mère ne faisait pas ça. Hein. Ma mère était simple, simple, simplon. Simplice. Simplicité. Justement, quelqu'un de vous, il veut ta chaussure, il veut ta greffe, il veut ta ceci. Quand tu me demandes, tu dis que si je te donne, je porte quoi? Comme ma chaussure te plaît là, ça me plaît aussi.
Bonsoir la reine Magne. Donc, quand ma perruque, ma bracelet te plaît, là, moi-même, ça me plaît. C'est pour ça que j'ai acheté. C'est pour ça que j'ai porté ça aujourd'hui. Oh, point. D'accord, non. Apprenez à dire non. I said no. No. Comme les Anglais. Tu dis non comme les Anglais. Non. 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 Je suis désolée, je ne peux pas te le donner. Ok, maman. Merci, maman. Au revoir. Bisous. Mouah. Merci, maman. Allez, à ciao, ciao. Mouah. Oui, tu peux faire lavage sel sucre seulement, oui. Tu fais même bouillir un peu. Comme ça entre bien dans l'eau. Ou bien l'eau entre bien dans le sucre. Il dit non. Et le début est marquant. Tu es là, tu m'écoutes, tu as tes 20 ans là. Les corvées que tu peux faire dans les belles familles là, il faut arrêter. J'ai reçu une ici là hier. Elle soivait le gars pendant peut-être 7 ans. Finalement, il décide de faire l'enfant. Dès qu'elle fait l'enfant, elle a un petit point avec le gars. Papi se sépare. Alors qu'elle partait chez la belle-fille, la belle-mère, elle faisait tellement de choses. Je dis, ah, je croyais quand même qu'elle me prenait, qu'elle me prenait comme sa fille. Ma chérie, tu n'es pas sa fille. Tu n'es pas. C'est pour ça que ce qui doit compter pour vous, c'est vous et vos enfants. Ma priorité sont mes enfants, je m'en occupe. Oui, elle retourne son fils contre toi. Oh, elle m'a fait ça. J'ai parlé, elle m'a manqué de respect. Oh, elle devait venir, elle n'a pas fait ça. Hein? Oh. C'est la manipulation spirituelle. Et parfois aussi, ce petit manque de confiance, là, tu dis, ah, je suis venue dans sa vie, je l'ai aussi trouvé. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Je ne peux pas faire le poids contre sa mère. Non, mesdames, vous pouvez. Vous pouvez. Vous pouvez. Il t'a choisi. Quand tu te mets, tu fais tes déclarations sur ton nom avant de te laver avec. C'est ton homme, ma chérie. Il a ouvert lui-même sa bouche, non? Il t'a poursuivi, non? Il est parti monter les collines là pour te doter, non? Il a mis la bague sur ton doigt, non? Il verra, il dort à côté de toi la nuit, non? Ok, arrêtez! Vous donnez trop de choses aux gens. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Une femme que j'ai beaucoup admirée, mais elle ne saura même pas que je parle d'elle. Quand cette femme-là s'est mariée, son mari était vraiment sous le joug de sa famille. Elle a mis les bases avec lui. Elle lui a dit, tes enfants que tu as eu dans le foyer avant, ils restent dans ta famille. Parce que les enfants, si t'en disent à la maison, leur mère, tout le temps, leur mère vont venir faire des problèmes, je ne veux pas. Deuxième chose, déjà la belle famille ne venait même pas chez elle. Troisième chose, la défendre. Son mari l'a défendu bec et ongle ou griffe, on va dire. Vu que son mari l'amène devant sa mère comme ça, là, à lui, il dit, maman, ça c'est ma femme. C'est ma femme. Quand on pourra, on va venir te voir. Mais là où je suis là, c'est le divorce. Je rentre le soir, j'ai faim. Mes amis ne sont pas repassés. Maman, c'est elle. Bon, c'est vrai qu'après, il est parti coucher un peu à gauche à toi, il a les enfants dehors. Mais si la femme l'a dormi, je me rappelle un jour, elle a dit à toute sa belle famille, là, ses soeurs, les soeurs de son mari, la mère de son mari, que tout ce que vous faites dehors, là, c'est pour vous. Dès qu'il entre dans la maison, c'est le soir. C'est moi qui commande. C'est moi qui commande. Tu dois déclarer sur ton mari chaque jour qu'il t'aime. Écoutez, on va dire que vous êtes sorcier, sorcière. Paresseuse comme vous êtes. On doit les lavages à faire. Moi, je n'ai pas fait. Je suis fatiguée. J'ai regardé les nouvelles. J'ai vu 3 nouvelles. Je suis fatiguée. Vous allez.
parler, contrôler le cœur de cet homme. C'est d'abord lui qui est venu vers toi. Vous êtes, c'est qu'au début de votre relation, tout allait bien. Ce qui le dérange, ce sont les paroles qu'on vient lui dire à côté quand tu n'es pas là. Et il y a les gens qui travaillent overtime. Ils travaillent 24 heures sur 7. 50 heures par jour. Prendre son crédit, appeler. Tu as la fille de boulot, tu conduis, je vais t'appeler. Oui, je voulais te dire ta femme là. Hey, maman, je l'ai vu au marché l'autre jour. Elle ne m'a pas salué. Maman, alors que c'est la femme de mon frère. C'est le mariage que tu veux, ma chérie. Déclare. Déclare. Jean Bosco Pengoum, si c'est ça son nom, tu vas m'épouser. Tu m'as promis le mariage, non? Je déclare que je reçois mon mariage divin. D'ici le 31 décembre 2022. Avec Jean Bosco Pimpoum. Mamie, tu fais d'abord quoi loin de ton gars? T'as fait des relations à distance là? Never. Never. Bonsoir, le roi QAT. J'ai raté ton appel l'autre jour. J'étais très, très, très occupé. J'ai pensé à toi samedi pour l'encontrer. Comment vas-tu? Comment va madame? Bien, vous allez bien. Faut pas qu'elle vienne couper la conversation de mon direct. Bon, je parlais des belles familles. Le truc, c'est qu'au départ, vous deux, vous êtes entendus que vous allez construire autre chose ensemble. Après, les gens sont venus. Tout ce qui gâte un couple, quand peut-être chacun sort, il va travailler, il va de son côté. Tu rencontres les collègues, ils rencontrent les telles personnes, elles rencontrent telle personne. Ce sont les voix extérieures qui viennent gâter votre foyer. Après, ça te fait douter. Ah, il est même quoi chez moi? Il est même d'abord épousé, pourquoi? Ah. Qu'est-ce qu'il lui apporte même? Tu doutes. Vous en ouvrez la porte. Donc, je vais résumer. Non, les hommes vont détester mes propos. Pourquoi? Eux-mêmes, ils peuvent. Ce qu'ils disent, c'est valable pour les hommes aussi. Hein. Il y a là-bas, vous, les femmes, là, que vous êtes manipulées par votre famille. Vous parlez de quoi? Personne n'est manipulable comme la femme. L'homme, parfois, il est ferme sur sa décision. Tu vois, la femme, ça, là. Un coup, elle dit oui, je veux. Deux heures plus tard, je ne veux plus. Après, je veux. Après, je te quitte. Après, vous parlez même de quoi? Ok, si vous allez bien, c'est super, monsieur Kate. La femme changeante, elle change, elle fait 10 saisons par jour. L'hiver, l'automne, l'été, le printemps, la saison sèche, la saison pluvieuse. Ok. Donc je vous ai dit que ce qui va les choisir, il y a la famille, la mère surtout, mère ou père, qui vous déteste beaucoup. Il y a la belle famille. Le dernier cas, c'est le ndolo, le cœur. Je peux même dire encore le gars, l'amitié. Tu as quelqu'un qui ne se voit pas, quelqu'un que... Ces personnes ne connaissent pas les heures que vous passez peut-être à lire la Bible, à méditer, à chercher. Combien de temps tu passes sur le travail, sur ton business. Tu es là comme ça, tard la nuit, tu commences à 6h, tu finis à 23h, ils ne voient pas. 5 ans plus tard, tu tombes sur un gars, vous commencez votre relation. Tu sais que tu es appelé à faire des choses. Il commence à te dire... Tu sais... Peut-être que tu bosses trop, hein. Il faut que tu te relaxes un peu. Tu sais, bébé, tu sais, babe, on a pour objectif de payer notre maison. La maison de 100 millions, là, on veut payer ça en 2 ans. Est-ce que tu penses qu'on devrait se reposer tous les jours?
faut qu'on bosse. Je sais que je suis choisie. Pour ça, il faut que j'apprenne à faire ça, 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 ça. Non, bébé, non, non, non. Parfois, vous aurez les hommes dans votre vie. Ne soyez pas désespérés pour le mariage. Ne soyez pas désespérés pour le mariage. Genre, si je me mets un peu, le mari peut mourir. Seigneur. Quoi? Une belle fille comme toi. Belle comme tu es là. Et on n'acceptait pas n'importe quoi. Parfois aussi les choses en toi-même qui doivent sortir. Bonsoir la reine Carole. Bon, à part le gars, il y a aussi les copines qui peuvent embrouiller, les choisir. Tu as une copine, elle est tellement jalouse, elle porte tous tes habits. Elle vient de mettre tes perruques. Elle veut ceci. Elle veut conduire ta voiture. Elle veut. Les copines malsaines là. Elle connaît que je ne te montre pas. Quand tu découvres ma page, elle dit que je la suis depuis. Tu la suis, tu ne m'as pas montré pourquoi. Tu m'as mis à non. Bonsoir, bonsoir aux ceux qui sont nouveaux. Je vous en prie. Les produits en aller seront disponibles à Paris vendredi. Ceux qui sont dans la ville de Douala, vous pouvez les commander. Ils sont en stock. Bon, on poste aussi dans plusieurs pays. Hein. Et si vous ne faites pas attention, ce sont les personnes qui vont venir vous décourager. Elle va en ville avec toi, tu vas acheter quelque chose, elle refuse, elle te décourage. Quand tu pars, elle passe par derrière pour acheter la chose, elle l'utilise. Et ce sont les petits signes que Dieu va d'abord vous montrer. Mais tu vas ignorer. Ah, en tout cas, c'est seulement elle, non. Non. Voilà. Bon, j'ai fini mon discours. La formation pour découvrir sa mission de vie commence ce soir. La formation pour transformer ses idées en business, ça c'est déjà là, c'est déjà en cours. Il y a la formation spirituelle des super pouvoirs. Donc, les gens qui disent, wow, je suis appelé à faire le travail spirituel, je ne sais pas par où commencer. Voilà, c'est ça. C'est ce en quoi ça consiste. On vous explique les petits trucs de la spiritualité, les bases, le B.A.B.A. Bon. Je vous souhaite de l'abondance. Je vous souhaite aussi de la paix. Que vous puissiez faire vos bains, s'il vous plaît. Dans le bain que j'ai fait une vidéo dimanche où je montais comment utiliser Onalia. Peu importe là où vous êtes. Onalia. Onalia. Tu verses ça sur les mains, ça t'enlève les mauvaises forces. Là, il y a les forces dans votre corps. Et les forces sont agrippées ici, là. On te lave avec ça, ça part. Il y en a parmi vous, vous avez les insignes négatifs qui vous poursuivent depuis longtemps. Vous appelez ça malchance. Donc, je vous remercie. Prenez du temps quand vous faites le lavage le matin. Lavez-vous sans parler à personne. Ok? Sur YouTube, je vous ai dit, je vais poster une nouvelle vidéo qui montre comment bénir son business quand on arrive le matin. Pour attirer les clients. Voilà. Bon, passez une bonne nuit.